Hi guys, welcome back to another episode for another incroyable adventure on Far Cry. Ouais, bref, salut à toutes et à tous, il est 16h, on se retrouve pour le 6ème épisode de notre aventure sur Far Cry 6. Je suis sur le menu parce que je voulais commencer ici pour vous montrer. On est à 5,61%. Donc si chaque épisode c'est 1%, eh ben quelque chose me dit qu'on aura terminé à l'épisode 100, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va faire 100 épisodes. Non, c'est pas vrai, vous inquiétez pas. Ça va aller bien plus vite. Bon, je ne sais plus où c'est qu'on en était. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Ah oui, on allait voir Badra. Oui, on va aller voir Badra. Avant toute chose, les compétences. On a 2 points de compétences qu'on peut se donner. Seringue de soins niveau 2. Allez hop, Ah non, attends, j'utilise pas trop les seringues encore. Hein. Ouais, si, allez, comme ça c'est fait. Comme ça on est tranquille. Et ouais si, on va quand même au moins... C'est-à-dire que si on se met une seringue, on a 2 points, 2 barres de plus, franchement c'est quand même assez sympa. Et encore un dernier truc, est-ce que j'ai des trucs à vendre, me semble-t-il, que mon... D'accord, j'ai trop d'argent, encore une fois, j'ai trop d'argent, ok. Bah c'est pas grave, on va acheter des choses, les seringues c'est bon. Bah là je peux en acheter, tout est verrouillé, gilet pare-balles à la limite. Arme de poing c'est bon, l'AK-47 c'est bon. Oh, PKM, oh RPG, oh, oh là là. Bon écoutez, on va partir sur... Attends, arme spéciale, tout est verrouillé. Et de toute façon j'ai même pas assez. Ah en fait il faudrait qu'on se confectionne un sac à butin plus grand. Attends, on va s'acheter plein de mun. Voilà, carte, et eh ben on va... vous savez quoi, allez on va acheter tout ça. Pas le temps pour vos conneries. J'ai acheté plein de lieux. Et ce qu'il faudrait en fait, donc on va vendre, hop, voilà. Ce qu'il faudrait, c'est ça, c'est confectionner, confection, un portefeuille plus grand. Et pour ça, donc il faut de la peau de baral. Ça ressemble un peu à... Ok, parce que je connais pas ces animaux. Et du baral, il y en a juste ici. Refuge de Kira. Bah on va repasser par là. On va faire un petit tour et on va aller au B, évidemment, on va aller voir Badra. Mais on va juste chasser un petit baral. Du coup, ce qu'on a acheté, on a débloqué des... Voilà, point d'interrogation, lieu inconnu. Non, je pense pas que ce soit ça qu'on a débloqué. Bref, allez. On y va dans tous les cas. On va chasser du baral rapidement. Il fait nuit là. Attendez. N'oubliez pas le pouce bleu, les amis, en tout cas. J'espère que vous kiffez à fond. On va mettre le jour. Je sais pas comment on fait. Donc je vais mettre, pour être tranquille, 9h. Voilà, j'accepte. Bonne nuit. Oh. Oh, c'est beau. Et vous savez que j'ai jamais fait ça sur la PS3. Vous savez que j'ai jamais utilisé cette fonctionnalité. Waouh. Le jour s'est levé. Allez. Bon, du coup, on est au village. On commence à le connaître bien, ce village, hein, dans tous les cas. Hop, une petite fleur ici. Tu m'excuseras, madame. Je te la pique. On va prendre le deltaplane directement. Eh, c'est des sangliers, ça. Ouais. Je suis sans défense. Je suis sans défense. Voilà. Hein? On fait moins la maline. Allez. C'est parti. Oh non, non, non. C'est vrai, attendez, j'ai un wingsuit. Attendez, on va faire un truc trop stylé. Regardez, hop. Et je m'éjecte. Et hop, wingsuit. Et c'est pas fini parce que, messieurs, dames, on va piquer de la tête. Parachute. Wouhou. Incroyable. Allez. Ouais, préviens quand même. Bon, il y a encore une embuscade là-haut. Ça commence à être pénible parce que c'est toujours la même chose à chaque fois qu'on passe par là. Hein, donc on va les ignorer tout bêtement. Bon, même si ça donne des points de karma, bien sûr. Attendez, on va ressortir notre arc. Notre meilleur ami, bien sûr. Alors, où c'est qu'il y aurait du baral? C'est ça le nom de l'animal qu'on chasse, je crois. Un baral, quelque chose comme ça. Là, c'est des oiseaux. Et franchement, c'est vrai que si vous voulez un jeu de survie, alors c'est pas de la survie. Mais tu sais, ça a vraiment son côté survie où tu fais de la chasse et tout. Franchement, hein, c'est vrai que t'as pas besoin d'aller chercher... Enfin, ça dépend ce que tu recherches. Là, on a un baral, je crois. Pas du tout. C'est un cerf. C'est ce qu'on a chassé dans le dernier épisode. Moi, je veux du baral, précisément. Alors là, on a de la hauteur, c'est pas mal. Hein? On n'a pas de chance, là, dites-moi. On va sortir l'appareil photo, ça permet quand même de mieux voir... peut-être des choses qu'on ne verrait pas à l'œil nu. J'ai l'impression qu'on m'arnaque. Moi je m'en fous de toi. Je veux pas te faire de mal. C'est pas ça moi que je veux chasser. Attendez, on me prend pour un débile. Si ça se trouve c'est ça que je veux chasser.
Ouais, non, c'est ça, c'est les 100 barres. Mais moi, ce que je veux, c'est du baral. Les animaux laissent aussi des appâts derrière eux, d'accord? Ok, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va essayer de s'en choper un rapidement. Il va se faire écraser par la voiture. Bon, attendez, on va lui abréger les souffrances. Oh là! Oh là, eh, c'est bon, je rigole, je rigole! 4 flèches, mon pote. C'est quoi comme animal? C'est ça? Attendez, c'est bizarre ça quand même. Ah non, c'est du ratel ça. Voilà, c'est du ratel, rien à voir. Bon bah désolé mon pote hein. Désolé. Je voulais pas te faire de mal. Non, moi je veux du bah voilà, j'ai déjà oublié le nom de l'animal. Mais en tout cas, il n'est pas là. Si ça se trouve, il est là que la nuit. Et on s'est fait arnaquer. Attendez, parce que là, regardez, il y a différents types d'animaux là, non? Mais non, mais tout ça c'est les... Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Ok, ok, ok. Bon là j'y vais pas demain morte hein, comme on dit. Juste pour être sûr. 100 barres. Ouais. Donc c'est pas, c'est toujours pas ça. Le baral, ça n'a rien à voir. Purée, je me fais arnaquer en beauté. Bon, donc ça n'a rien à voir. On n'a pas encore vu l'animal que je veux. En plus, ce qui est génial, c'est que j'ai plus de munitions dans mon pistolet. Donc comme ça, l'affaire est réglée. C'est vrai que ça va assez vite. Bon, on s'est un petit peu fait douiller. Peut-être. Attendez, je vais sortir l'AK. Là, il y a le trésor qu'on a vu sur la carte. Donc, je vais pas te mentir, ça m'intéresse. Voilà, NGQ. Et non pas NGOLO. Très bien. Je suis de nouveau dans la zone. Dans la zone de chasse. J'ai quand même le sentiment de me faire arnaquer. Hein. Bon, écoutez, les amis, c'est pas bien grave. Oh putain! Ah oui, d'accord! Eh hey. Plus jamais tu fais ça toi hein. Vache. Bon, on était déjà passé par là me semble-t-il. Oui, j'avais déjà ouvert les coffres. Très bien, j'avais aussi fait tourner ça. On va, bon bah écoutez, sur le chemin, on va aller voir notre ami Bégatel, ou je sais plus comment il s'appelle. Là, ça m'a saoulé. Je suis dégoûté. Voilà, je voulais pouvoir chasser l'animal. Je suis dégoûté. Vraiment pas là, y'a rien. Ok. Allez, wingsuit. Wouhou. Oh, trop bien. Oh, c'est incroyable. Légendaire. J'ai envie de péter mon crâne. J'ai envie de péter mon crâne, bordel. C'est reparti. Wouhou. Ah purée, je suis mort. Oui bah c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Attends, je suis vraiment mais un boulet hein. Je suis un boulet total. Par contre c'est super joli. Regardez cette oasis. Je sais pas si on appelle ça un oasis ou un lac tout bêtement. Oh, il y a du combat juste là. J'arrive. 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 Oh bah j'ai servi à rien. Putain, j'ai servi à rien là. Je suis juste le ramasse-miette. Bon bref, tu m'excuseras ma soeur. Je récupère ce que t'as sur toi, j'ai besoin de munitions hein, en plus. Donc ça tombe bien. Des mouchoirs. Oh, on peut faire beaucoup de choses avec des mouchoirs, moi je vous le dis hein. Très bien. Un petit peu d'argent. De toute façon je peux pas trop en prendre puisque j'ai pas pu chasser l'animal que je voulais. Je dis ça, je dis rien. Je suis fâché. Un petit peu, c'est possible. Pourtant c'était dans le dernier épisode que le jeu s'est foutu de ma gueule je crois hein. Bon, allez. Voyons voir Bethlehem là, je sais pas quoi. Bonjour. Et bien évidemment les amis, n'oubliez pas le pouce bleu. Tu viens pour consoler les familles? C'est dingue. Tu vois, j'ai jamais vu une chose pareille. Et moi, j'ai jamais vu quelqu'un balader les cendres de sa mère. Tu crois que l'enterrement de mon père ressemblait à ça? J'étais trop jeune. Mais je sais que sa mort a brisé le sentier d'or. Tout serait différent si... s'il était mort au combat. Mais c'est pas le cas. On l'a assassiné. Assassiné? Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que je sais, c'est qu'il a été tué dans sa maison, à l'est de Banapur. Elle existe toujours. Peut-être que tu devrais aller là-bas pour en savoir plus. Mais fais attention. La zone est dirigée par Nour maintenant.
Je dois y aller. Attends, donc là on vient d'apprendre que notre père il a été assassiné quoi. C'était pas prévu dans le programme là, moi je venais juste faire du tourisme, déposer les cendres de ma mère quoi. Oh c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible ce qu'on apprend. Et c'est probablement horrible ce qu'on va apprendre par la suite. J'ai absolument aucun souvenir les amis de tout ça hein. Sachez-le, vraiment quand j'étais petit je ne comprenais rien à l'histoire, je le rappelle. J'avais 14 ans en 2014. Voilà. Le Dami a reçu beaucoup de demandes requérant la présence de Badra ici. Rappelez-vous qu'elle n'est pas encore officiellement Tarun Matara, machin, etc. Ça marche, ça balle. Et ta queue de cheval. Du coup, bon. Attends, on a un truc encore là. Un petit livre à récupérer. Journal de Mohan Gale. Ça va les refs? Bah non, du coup, ça va pas trop. Ma foi. À mon image sur la fête mondiale et je pense que ce qui me manque, tu vois, c'est le soutien d'une célébrité, la visite d'un Dennis Rodman. Je pourrais peut-être demander à Zlatan d'amener le PSG pour un match contre ma meilleure équipe. Un peu cliché, j'imagine. Oh, une pop star. Si le président de la Tchétchénie peut faire chanter Depardieu à son anniversaire, alors pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas aussi moi speed à ma fête? Je vais voir combien demande Kanye West. Que je suis sur Twitter. De Laurent Barre, j'adorerais bavarder avec ce jeune homme. Eh, c'est quoi ce boomer là? Paganmin, c'est un boomer en fait. Merde, j'ai gâché une seringue, c'est pas grave. Bon les amis, on va aller voir je pense Ah ouais, là on est carrément dans une nouvelle contrée là. Sabal, il est dans une zone Ah oui. Oh là, Yogi et Reggie. Oh là là. Je crois que ce dont je vous parlais précédemment, où il y a des scènes absolument ahurissantes, je crois que ça se passe ici. Bon, écoutez, vous savez quoi? Hop, le clocher, on va se le faire. Sur le chemin, on a peut-être des avant-postes, même pas. L'animal que je vais chasser, là, attends. Là, le baral. Ah, on sait pas s'il y en a là. Bon, d'accord. On va faire le clocher. On va faire le clocher, et puis voilà. Quel enfer! Notre père, il a été assassiné, quoi. C'est un truc de zinzin. Enfin, je dis notre père, mais c'est parce que... Il y a plein de trucs à récupérer dans les villages. Hein. Faudrait que je prenne un peu plus le temps par la suite. Hop là, un petit peu d'élagage. Eh, vraiment, hein. J'espère que vous appréciez. Et on va vraiment apprécier au fur et à mesure. Bonjour. Ça va, les refs? On se calme. Pas du jeu ça. Très joli par ici. Très joli par ici. Allez, on va se poser là. Il y a des ennemis. Voilà. C'est bien, ça a fait diversion. Même pas, ça a même pas fait diversion. Bon, il y en a un là. Un là. J'imagine qu'il y en a là-haut, mais ceux de là-haut, je m'en fiche. Ok. Là, j'ai eu chaud au kiki. Ah, il y en a un là, je me disais bien qu'il y en avait plus. Bon, et eh ben c'est parti, messieurs, dames, on va pas y aller par quatre chemins. Voilà. Peser, remballer. Hein. Moi, je suis pas là pour rigoler. Viens voir, sors ta tête. Voilà, allez, ça c'est fait, ça régale. Ça c'est fait, ça régale. C'est pour ça que j'aime ce jeu, bordel. Qu'est-ce que j'aime ce jeu, vraiment. Attendez, on va faire ça. On va faire ça trop stylé. Salut mon ref. Allez. Et attendez, il y a un otage là-haut. T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Tant qu'on y est. C'est fou parce que ces mécaniques là je les avais oubliées. Je sais qu'il y a ça sur Far Cry 6, mais sur Far Cry 4 j'avais complètement oublié qu'il y avait cette notion d'otage. C'est assez rigolo quoi. Oh non. J'ai fait n'importe quoi là. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, ça s'est bien passé quand même. Voilà, de rien mec. Il lui a coupé la langue, il parle pas. Allez, on va monter directement dans la tour radio. On a une petite lettre qui nous dit que Satish, vous avez accompli un travail fantastique. Parfois on prend la bonne décision et d'autres c'est nous qui la rendons bonne. C'est beau ça. C'est beau, c'est beau. Alors par où on monte?
Voilà, facile. Ah bah c'est par là qu'on monte, très bien. Des petits trucs à fouiller, très bien. Par ici, y'a que dalle. Donc, c'est bel et bien ici. Ah! Je peux pas monter, c'est pas grave. Voilà. Ici. Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi je peux pas monter? Quoi? Attendez, c'est une... Oh, c'est une blague. Ah, d'accord. Bon. On va rien dire. Du coup. Attends, je fais quand même le tour parce qu'il y a des petits coffres qui traînent à droite à gauche. Mes couilles. Que dalle. Hop. C'est par ici. J'ai l'impression d'entendre un hélicoptère depuis tout à l'heure là. Alors, je suis peut-être complètement fou, hein. C'est pas improbable. D'ailleurs, si vous êtes des petits foufous, n'oubliez pas de mettre le like. Je force, hein. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est la récompense. Le like, c'est la récompense. Et puis le commentaire, bien sûr. Ah. Vous voyez, ça commence à être un casse-tête là. Ok, faut casser ça. Ok, par ici. Et chaque tour radio est unique. Et ça, c'est chouette. Oh, tu vas la fermer, madame. Je vais te couper, moi. Tu vas voir. Là. Ah, ils ont trouvé les cadavres en bas. Un petit coffre. Merci. Et hop, on casse tout. Je vais plus t'entendre, madame. Terminé. Troisième clocher libéré. Délivré. Je vais casser les clochers. Maison de Prabin, Prabine. Oh, c'est horrible. Salle des larmes de Satisfait ou remboursé, bien sûr. Repère du tigre. Oh. Ok, on saura où c'est qu'on pourra aller si jamais on a besoin de tigre. Alors attendez. Parce qu'il y a un truc à récupérer là, je suis quand même pas fou. J'ai raté un truc dans la tour radio et j'aimerais bien éventuellement la récupérer. Là, ce petit livre bleu là, c'est le journal de Moan Gale, je crois. Il est censé être où là? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Encore une tour, mon frère. Toi aussi, tu as hâte de faire taire ta gamine. Ouais, ça balle. Eh, très perspicace hein, ce que tu me racontes. Hein. Ce genre de communication, on adore. Mais où c'est que... Où c'est que j'ai raté le livre bleu, là? Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Attendez, je veux vraiment pas partir sans l'avoir récupéré, parce que on est déjà passé à côté de beaucoup, là, tout à l'heure. Donc c'est l'occasion de parvenir ici. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Là, ça sert à rien que je sorte, à mon avis. Bon, on va se refaire la tour. Voilà, je ne comprends pas. Ici. Je ne comprends pas. Putain, si elle est tout en haut, je suis vraiment un zizi. Hein. Vraiment, si elle est tout en haut, je suis vraiment un zizi. Mais bon, on va prendre notre temps. C'est ça ce qui est bien aussi sur ce jeu. Voilà, c'est qu'on peut un petit peu chiller, bien sûr. Là, j'ai récupéré. Ah, c'est tout en haut, en fait. C'est pas possible. Ou alors, on se moque de moi. Et c'est pas impossible non plus. Là, peut-être. Y'a que dalle, frère. Ok. C'est en haut. Bon bah, je suis tout en haut, hein. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre, cette histoire. Elle est belle, la musique. Ouais, bon, d'accord, je vais aller me faire foutre. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on voit un petit peu mieux? Oh, regardez, du baral. C'est justement l'animal que je vais chasser. Baral, on y va direct. Et là, il y a intérêt à ce qu'il y en ait. Libération d'otages. Et ben, on était passé par là, je crois. Avant, non, on était passé par là. Mais vous voyez, là, au moins, on voit la carte. Donc, on pourra retrouver les points d'intérêt sans aucun problème. Allez, on y va. On y va directement. C'est à 500 mètres. On va essayer de pas se cracher. Pas le choix. Allô. Alors par contre, il s'agirait de pas se foutre de ma gueule, merci.
Hop. Oh oui, t'aimes ça hein, mon cochon. Là on peut faire tourner le moulin de prière, non? A mon avis je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et qui c'est qui crie là? Ça n'a pas de rapport. Ok, regardez bien ce qui va se passer, ça va être très joli. Des camions qui transportent de l'opium jour et nuit, c'est un miracle. Bon, j'aurais rêvé mieux. J'aurais rêvé mieux, mais enfin c'est pas grave. En fait, il faudrait que je me prenne la compétence pour enchaîner les ennemis. Je crois qu'il y a une compétence pour ça. Donc dès qu'on pourra, on le fera. Ne vous inquiétez pas. Bon, allez. Voyons voir ce qui nous attend par ici. Enfin, ce qui nous attend, du coup, les animaux qu'on veut chasser. C'est ça? Mais attendez, mais c'est ça? Mort? Non, c'est pas ça. Mais non, ça c'est du... C'est du quoi, ça? Tapir. Mais oui, c'est du tapir, je suis débile. Je suis en train de faire de la torture animale pour pas grand chose là. Hein. Eh, je peux vous emprunter votre voiture? D'accord, ok, j'ai bien compris. Je vais me faire foutre. Bon, on y arrive tranquillement. Je me balade avec mon tapir tranquillement. Ça va mon ref? Nickel, moi aussi. Qu'avons-nous là? Très bien. Un petit pont à gauche. Il fait des bruits bizarres le personnage quand même. Hein. Ah bon, je dis ça, je dis rien. Mais si jamais vous regardez la vidéo sur un home cinéma. Eh, hey, salut mon cochon. Toi, je sais que j'aurais besoin de toi. Hop. Merci beaucoup. Mon cochon. C'est comme ça que j'appelle l'Idid. Oh. Ah. Non, c'est des cochons. Par contre, je sais qu'il me faut 3 cochons pour je sais plus quoi. Donc, les gars, on va en profiter. Unos. Tos. Magnifique, j'ai fait ça toute ma vie hein. Les gars, j'ai fait ça, mais alors toute ma vie. C'est bon ça. J'espère que vous kiffez les petits épisodes chasse comme ça. C'est un peu chill, c'est un peu détente. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas faire du mal aux animaux. Mais enfin, là c'est pas... Voilà, c'est une question de survie. Et là normalement, si je dis pas de bêtises, confection, je peux faire sac à butin. Let's go. Holster d'armes avec le ratel. J'ai même pas fait exprès, mais c'est parfait. Et ouais, moi j'aimerais du coup le portefeuille. Compétence, attendez, du coup, est-ce que je peux enchaîner? Exécution au couteau de lancer. Lancer une exécution, puis appuyer pour lancer son couteau sur un autre. Parfait. Parfait, parfait. Mais moi ce que j'aimerais surtout... Voilà, immédiatement après une exécution. Ah non, ça c'est pour déplacer le corps. Ah, on peut pas faire ce dont je rêvais. Peut-être pas pour le moment. Mais ça, ce sera déjà pas mal. Bon, encore faut-il que j'ai des couteaux de lancer, hein. Parce que là en l'occurrence je n'ai pas de couteau de lancer sur moi. Ah si, j'ai rien dit. Ok. Wesh. What? Mais c'est trop bien fait. Par contre, est-ce que ce serait pas cet animal qu'il me faut? En fait, est-ce que là je ne saisirais pas une opportunité de zinzin? Alors je vais sortir la calage parce que là il y a un aigle qui va m'attaquer hein, je vous le dis direct. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, c'est du dommage. Du baral. C'est du baral et moi c'est cet animal qu'il me faut, non? Attendez. Attendez. J'ai encore pas vu cet animal là. Attendez. Oh. Ah. Là c'est pas joyeux ce qu'on trouve dans ce village. Et non, toujours pas. Ah si, c'est ça. Non. C'est ça. Baral, toujours pas. Confection par contre. Ah si, portefeuille, c'est bon, baral. Let's go. Let's go. Bon, on va pouvoir transporter maintenant jusqu'à beaucoup plus. Voilà. Donc ça c'est parfait. On peut faire un carquois. Donc pour avoir plus de flèches. Et on est en train de se confectionner des trucs de zinzin. On est très très bien. Oh, on peut voir la progression, putain, c'est incroyable. Collection, stratégie. Bon bref, je suis trop content. Là, ça se passe super bien. On avance super bien. Du coup, je peux avoir une quatrième arme. On va réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire. On peut faire une libération d'otages. Moi, j'adore les libérations d'otages.
Donc plutôt que d'avancer dans l'aventure principale, là tout de suite on va faire une libération d'otages. D'ailleurs je vais récupérer le bouquin. Madame. Oh, j'ai cru que vous ne reviendriez jamais. Oui, j'aimerais accepter votre mission. Voilà. Mes amis, ils les ont pris. Je ne comprends pas. Ils les forcent à travailler, je crois. Il faut les sauver. Libération d'otages est à 300 mètres. Coucou toi. On y va. On va libérer les otages. J'aurais pu me prendre une quatrième arme, mais c'est pas grave. On va y aller, bah, avec notre véhicule fétiche, hein, maintenant, ça y est. Et c'est là qu'on se rend compte que la map est pas grande, parce que regardez, on est nouveau au point de départ du dernier épisode, en vrai. C'est rigolo, hein, quand on y pense. C'est-à-dire que là, il y a des trucs à explorer, là, sans aucun souci. Alors, mes phrases ne veulent rien dire, mais dans ma tête, c'est très clair, hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Ok, on est arrivé, en plus, on est sur la hauteur. Hop là. Wesh. Je me suis pas fait respecter. Allez, je suis dans la zone d'opération. Par contre, la hauteur, c'est parfait. Il y a 4 otages à sauver. Il en faut sauver au moins 2. Moi, vous savez que... bon. Je veux sauver tout le monde. Alors... personne qui m'attend là. Donc, on a un premier otage ici avec un garde. Un deuxième otage avec un garde. Un troisième otage avec personne. Ah, les deux otages là, voilà. Ok. Bon, j'ai 3 visuels, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait que 3. S'il y en a que 3, c'est hyper simple. Ça me paraît bizarre. Et comme je suis naïf. Alors, je suis vraiment venu du bon côté. Hein. Je suis vraiment venu du bon côté. Il est enfermé, lui? Non, bah, il va nous faire du... ah, voilà! Ok, là, ça me paraît plus cohérent. Et il y a des affiches de propagande qu'on va pouvoir enlever également. Et ça, c'est beau. Hop. Voilà, personne te verra, personne te sauvera, mon pote. Hein, je suis désolé. Hein. Je suis vraiment navré. Ensuite. Je veux juste rentrer chez moi. Tu vas rentrer chez toi, t'inquiète pas, cocotte. Voilà. Voilà. Ça se passe extrêmement bien. Et lui, j'ai envie de l'humilier, attendez. J'ai envie de l'humilier. Comme il humilie le mec. Désolé, hein, il va falloir que tu prennes sur toi, toi. Voilà, voilà, voilà. Hop, pas un coup de plus. Ça dégage. Voilà. Ça c'est fait. T'inquiète pas, merci pour ton argent. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire, bien sûr. Je suis là, messieurs, dames, je vous sauve. Hop, ça dégage, ça. Ah putain, le truc dans la tour radio que j'ai pas trouvé, c'était une affiche de propagande à enlever. D'accord. Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Calme-toi, ça va bien se passer. Tenez, prenez ça. Vous l'avez mérité. Et voilà. Ah, je suis content. J'adore, je sais pas vous, mais j'adore les libérations d'otages. Merci pour ton coup de main. Ils enlèvent des gens pour les faire travailler de force ou pour s'amuser. Libère tous ceux que tu pourras. Attendez, parce que là, je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Bon, désolé, je vais le faire souffrir pour rien. Bref, les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude. Vous êtes des boss. Le commentaire qui fait plaisir. Et moi, j'adore cette aventure. Donc, j'espère vraiment que vous aussi. Parce que, pareil, tout comme Far Cry 3, en vrai de vrai, elle me tient à cœur. Et on avance vraiment bien. Et je trouve qu'on joue vraiment proprement. C'est vraiment cool. Je trouve que c'est assez propre. Donc regardez comment c'est bien fait, les interactions et tout, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Allez, plein de bisous. C'était Mkolo, ciao tout le monde.